Le mont Fuji, une culture millénaire, on est bien loin de la planète foot. 61e au classement de la FIFA, la sélection japonaise n'en espère pas moins se qualifier pour les 8e de finale en Russie et sauver l'honneur, comme en 2002 et 2010. Mais les Blue Samouraïs reviennent de loin. L'équipe japonaise a changé de sélectionneur juste avant la Coupe du Monde. En avril, le Bosnien Vahid Halilhodžić a été remercié et remplacé par l'ancien directeur technique Akira Nishino. La crise du coach a été surmontée, mais la crise de confiance a la vie dure. Le changement de coach n'a pas été une bonne chose, mais l'équipe nationale doit tenter sa chance en Russie. Les joueurs japonais jouent en Europe et ont du succès, mais je pense que l'équipe japonaise dans son ensemble n'a pas un très bon niveau. Mon équipe favorite, c'est le Brésil. Tout le monde parle du changement de coach. Le timing était franchement mauvais. J'espère que ça ne pèsera pas trop sur l'équipe. Premier test ce mardi face à la Colombie. Dans le groupe H, le Japon affrontera aussi la Pologne et le Sénégal. Moi, je suis fan de baseball, mais je pense que l'équipe de foot japonaise va réussir parce qu'elle a l'esprit des samouraïs.